J'ai dû trop jouer à Nintendog. Wata! Faut que je me dépêche, là, ça va ouvrir. X-Man. Tu zones et puis que les mecs t'écoutent pas. Laisse-moi parler, quoi. Et un jour, mais ok. Et tu fais, et t'es devant. C'est-à-dire, tu te démerdes, tu fais tout. À tout à l'heure. J'ai compris qu'en fait, le pouvoir, ça se gagne pas, ça se perd. Parce que les gens veulent qu'il y ait devant un gars. Mais Jérôme, qu'est-ce que tu fais là à 10h du mat? Bah tu sais, maintenant je suis un geek, alors je viens pour faire des bonnes affaires. Comment ça, les bonnes affaires? Bah tu sais, les bonnes affaires, les premiums, les classiques, le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt, hein, tous les geeks le savent. FIFA PES, PES FIFA. Ok. Mademoiselle Caroline. Oui, bonjour. Vous auriez reçu éventuellement le dernier Duke Nukem? À ton avis? Non, parce que tu me l'as demandé hier et avant-hier. Tu vas me le demander tous les jours comme ça? Ah, très bien, pardon. Ah, juste avant de partir, je voulais vous dire, votre dernier statut Facebook, j'ai adoré. Bonjour, bonjour mademoiselle Caroline. J'ai fait ça pour vous. C'est un papercraft de l'Arcadia. D'accord. C'est quoi là à l'avant? C'est un numéro de téléphone? Non, c'est la plaque d'immatriculation du vaisseau. Mais vous pouvez essayer d'appeler pour voir. Ah, ok. T'as pas mal de succès dans la boutique, hein. Dis-moi, est-ce que tu aurais des t-shirts de geek? Pardon? Ben tu sais, nous les geeks, on aime bien porter des t-shirts de geek. Quel genre de t-shirt tu veux? Ben je sais pas, avec Superman ou du hentai. Tu vois comment Dark s'habille? Ben je voudrais les mêmes t-shirts, mais en propre. Ok, ben va voir dans l'étagère, là-bas il y en a. Ah non, j'ai déjà vu là-bas, t'aurais pas des trucs plus geek? Genre à la place de Superman, ça serait Clark Kent. En plus il est trop cool, il a les mêmes lunettes que moi. Jérôme, il y a plein de boutiques de jeux vidéo dans le coin, pourquoi tu viens dans la mienne? Bah pour bénéficier de ta remise d'employé. X-Men. Allez, super. Tap. X-Men. Non, X-Man. Quoi? Pas le moins fort. Viens voir, Dark. Mais pourquoi tu chuchotes, Régis? On est tout seul dans l'appart. Chut. Peut-être que des espions industriels qui nous espionnent. J'ai fait une invention. Viens voir. Viens. Viens. Viens voir. Viens. Allez. Doucement. Doucement. Ah, chut. Cache-toi. Cache-toi! Bien, bien. J'ai inventé quelque chose. C'est une invention. Il va falloir que je dépose le brevet des collèges. Mais avec toi, mon ami, je vais te dire mon secret. D'accord. On va tellement gagner d'argent qu'on va monter une multinationale et je te prendrai comme secrétaire. Et même que je nous achèterai des robes. Ok. T'étais déjà épanoui dans une femme? T'as déjà rempli d'étoiles un corps qui tremble? Non. Mais des fois, il n'y a pas de fille, et tu peux pas. Eh bien, j'ai la solution. Regarde donc ce graphique. Regarde, t'as vu? Il est joli. Hein? Je prends mes doigts, 5, comme mes doigts. Et j'entoure ma kick avec mes doigts, comme si c'était un duvet de doigts tout gentil. Et je serre bien fort. Regarde, il y a le bout qui gonfle. Et après, je fais des allers-retours, des va ou des va-et-vient, comme tu veux, t'appelles ça comme tu veux. Tu fais le mouvement à partir ou de ton coude ou de ton poignet,
Et tu fais comme ça. Voilà. Après, tu peux accompagner si tu veux avec des petits cris. C'est pas obligatoire, mais tu peux faire des trucs. Oh, comme ça. Oh, bébé. Oh, bébé. Et puis, après, tu continues. Et au bout d'un moment, il y a Posmos qui sort. D'ailleurs, regarde, j'en ai plein la main et toi, t'en as plein les chevilles. Mais. Et c'est comme ça que je fais l'amour à mamie roulette. Mais Régis, mais c'est la branlette. Non. J'ai appelé ça la tcho-tcho. Non, Régis, ça existe déjà, hein. Ça s'appelle la branlette. Non, c'est le tcho-tcho. Mais Régis, tout le monde fait ça, c'est la branlette. Même les filles, elles le font. N'importe quoi, toi. Même les filles. Bah, tu fais quoi? Ah bah oui, tu savais pas, mais je suis geek maintenant. On est pareil, toi et moi. T'as même un t-shirt Harlock. Tu me déçois, Dark. C'est Albator. Albator, mec. Et t'as cramé toutes mes munitions, là. Tu vas pas au prochain point de sauvegarde. Et tu sais que tu peux tirer et courir en même temps. Hein. Non, mais là, c'est relou, là. Je dois sauter de wagon en wagon et j'y arrive pas parce qu'il y a un hélicoptère qui me tire dessus, là. Mais donne-moi la manette, Jérôme, je te le fais. Donne-moi la manette. Jérôme, donne-moi non, la c'est manette. Bon, c'est bon, c'est bon. Hey, tu sais quoi manette, j'étais à la boutique de Caroline. Eh ben, elle a pas mal de succès, il y a plein de geeks à ses pieds. Ah bon? Ah putain, j'ai plus de munitions. Tant pis, j'arrête. Ouais, ok. FPS, c'est les initiales du mec qui a inventé Doom, c'est ça? Dark, c'est ça, hein? Dark, j'ai appelé un ami. Ok, j'ai appelé un ex. Il est d'accord pour t'engager. Oh non, mais moi je veux pas sortir d'ici. Oh, mais justement, le boulot que je t'ai trouvé, c'est un boulot où tu restes à la maison. C'est hotliner à domicile. C'est pas rêvé comme job pour toi. C'est super, Maud. Merci beaucoup. On est super complémentaires, toi et moi. On est comme Timon et Pumba. Toi, enfant des ténèbres, écoute-moi. Toi qui viens de trouver un emploi, viens, approche-toi et fais-moi un bisou. Et pénètre mes ondes englouties. Oh non, il faut un tchou-tchou mutuel. Dark, elle lui a dit mon secret, maintenant ils font une version à deux. Ils ont volé ma recette. Pirate! Qu'est-ce que tu fais, Régis? Bah, je pose du crêpé dans ma chambre. T'es con. Ah, voilà. Super.